C'était en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, un petit bonhomme voûté, chauve, barbu, assez ailé, avec des yeux vifs et profonds, des yeux inquiétants, plusieurs fois recherché par les polices de France, continuait à tuer impunément des femmes qui étaient amoureuses. Il se nommait Henri-Désiré Landru, était né à Paris, rue Bolivar, en 1869. De mars 1915 à janvier 1919, il a tué 11 personnes, dont 10 femmes, et un jeune homme récuché, dont la mère avait subi auparavant le même sort. Très jeune, Landru manifeste une grande piété, et fut même au fond du cœur à l'église de Saint-Louis-en-Lille, marié avec une blanchisseuse, dont il s'était séparé avant la guerre 1914-1918. Autre caractéristique de Landru, notable une fois encore, c'est un amant merveilleux. Au paddock, il se contentait pas de causer. C'était Versailles. Feu d'artifice illuminé, récital exceptionnel en tout point. Faut lui rendre justice à Landru, au plus mât, c'est un virtuose. Un poilu qui nous regardait droit dans les yeux puis qui nous faisait terriblement confiance. Vous pouvez pas oublier. Oh, les bons. Les dégâts que ça a fait dans les campagnes. Des vaches, on en a retrouvé dans les arbres. Eh bien, ça a donné des idées surréalistes. J'aimais ça, moi, l'atelier. Le fricot des tissus. Puis l'ambiance aussi. Les histoires qu'on se racontait à l'aise entre filles. L'esprit parisien qui me venait. Tiens, les portes-jartelles. Eh bien, c'est à l'atelier que j'ai appris leur inventeur. Gustave Eiffel lui-même. Oui, monsieur. Madame ne supportait pas du tout les bas garrotteurs de cuisses. Marie, très ingénieur, il leur appliqua la technique des ponts suspendus. C'est la même qu'on voit jusqu'au pompier et qui marque encore la présence française. Un succès phénomène, hein? Mais pas seulement thérapeutique. Déjà que la tour a tout de l'article triomphant, je me dis que Gustave, il devait drôlement être porté son granada. Ça se faisait bien, en sortant de la guerre, on t'encourageait volontiers, ma reine. Cœur sur la main, la poilue de l'affiche qui me revenait, moi j'ai pas su dire non. On m'avait bien fait comprendre que j'avais pas pris le bon départ avec Landru. Fallait que je me rattrape, côté sœur de charité. Gourde toujours, là, les pieds dans les bouses de l'enfance, les canards encore en tête. J'allais pas tarder à prendre ma première leçon. Hein. Au lit, c'était pas du tout Landru. J'ai compris là que c'était pas toujours pareil. Pas tant qu'il soit diminué, hein, toujours on s'arrange. Mais il était rongé par ses souvenirs, il avait pas la tête à ça. Toutes les nuits, il se réveillait en gueulant, et vous savez quoi? Il m'appelait son adjudant. Enfin, ça me rendait pas sentimental, hein. Et que je te chiale à les mêmes histoires de casse-pied, de moribond gueulard, de trouilles là qui font gerber et chier les plus coriaces, hein. Toutes les nuits, feu, charre, crêpe, saloperie. Oula, salade guerrière, ce qu'il a pu m'embolir. De quoi me dégoûter du devoir conjugal, hein. La guerre a fini par finir. J'ai arrêté de fabriquer mes bombes. Le monde redevenait logique. Pas pour longtemps. Je détestais ça, moi, l'usine mer d'acier, le bruit, les saletés, contre-fiche. Et alors, sans parler du boulot lui-même. Ben, du travail, fallait pourtant m'en dégauchir, et vite. Si je voulais pas retourner dans ma crotte cambrose, délicieux giron de terre. Une chance d'avoir réalisé mon trousseau, éducation à la campagne, j'ai trouvé une place rue Rambuteau chez les Bonovitch dans la confection. J'm'attais. L'ambiance de l'après-guerre était à la rigolade, mais moi ça me foutait le bourdon de m'arriver dans la coince. Oh, je l'ai vu venir de loin. Sapé comme... Puis roulant des mécaniques. Il te faisait saisir par finaluse. Toujours à énerver les points sensibles, à réveiller ce que les curés veulent endormir. Le gond chaloupant tout en effet physique. Oh, le genre de chauffe là, qui finit par réveiller les émotions internes et dévastatrices. J'entravais que dalle, la figée devant la rombière imposante. Madame Henriette avoisinait le quintal. Et y allait de ses petits encouragements entrecoupés de. Menace triple menton. C'est le premier pas qui compte. Syndicat des Macron insiste toujours sur ce passage délicat. Oh, mais j'ai bien demandé comme quoi
J'étais pas candidate, hein. Mais Prosper avait son opinion sur les relations proxo-pavu. Quand ça devient trop compliqué, une paire de battre met tout de suite les choses en ordre. Une fois rentré dans une maison, c'est comme dans les ordres. Impossible de se faire la valise. La mère maquerelle, c'est comme une mère supérieure, mais en plus maquillée. Tout passe par elle. Les filles ont plus qu'à lui obéir et... barca. Quand elle s'est complètement barrée. Et la mémoire charrie drôle de zigoto. Je découvrais la mécanique bien réglée des maisons puis tout ce qui tourne autour. Les placeurs, malfamés, tocards, combinards de la petite semaine. Un qui m'a plu comme un cauchemar, c'était le tout bibatitré. À un rire, à faner les roses, à faire pleurer les rossignols. Sa partie, c'était les maladies des nerfs, gênantes grossesses, les blessures malfrates. Morphine et coco. Poudre de perlimpinpin, réconfort des chagrins, oui, mais sans retour. On enterre facilement les hostilités. Les opinions restent accrochées au vestiaire et alors, tous les partis se retrouvent sur le canapé pour discuter. Eh bien, c'est pas une vision qui pousse au militantisme. On riait pas tous les jours dans les tranchées. On pissait bien dans son froc, mais... c'était pas de rigolade. Et puis si les boyaux convulsaient, c'était pas pour de rire. Au front, c'était l'abattoir moderne, l'écarissage pour bonhomme, la tuerie mécanisée. S'agissait plus de délivrer du vieux travail, hein. C'était maintenant l'alliance militaire et scientifique à des fins meurtrières, l'union sacrée patriarcale. Fallait crever, crever. Le mot d'ordre. Crever selon face avant qu'il te traîne. Alors j'en ai profité pour lui avouer que j'avais deux gosses à la campagne. Ce serait chouette qu'il nous fît si parrain du côté des étrennes. Bah, de se découvrir des filleuls tout d'un coup, c'est pas la nouvelle qui fige à spinner l'enthousiasme. Ah oh, bah c'était ça où je risquais de tourner alcoolo, hein. Légumasse, hein. Plus du tout le cœur à l'ouvrage. Pareil, c'était pas leur tasse, hein. Cutéreux jusqu'au bout. Puis alors, Front Populaire n'échangeait rien, les bêtes s'en foutaient des congés payés. La débauche est ennuyeuse à force, fastidieuse, comme le reste. Puis j'ai pas envie, tiens, comme ça c'est réglé. Je l'ai connu juste avant d'enquiller ma crème. Et mais il fallait bien que ça m'arrive, hein. Sans quoi vivre ne vaut pas la peine. C'est écrit dans les chansons qui s'inspirent toujours du vécu. C'est un joueur et il était russe. J'ai fait sa connaissance au casino, à la roulette. Normal pour un russe. Un blanco de blanco. Les défilés au Pas-de-Loire, se tâtaient le ventre, hein, en se demandant s'il en serait encore capable. Alors il sirotait cafardeux son pernod aux zingues. Redressement définitif, ça pouvait plus attendre. Adieu la République et vive l'État français!